Voilà, on est sur le point de partir. Les derniers préparatifs se finissent à coups de ciseaux, scotch et bambou. Il est tard, 2h du matin. Nous partons tôt, 7h du matin, au plus tard. Allons voir un peu l'ambiance qu'il règne de plus près. Qui est Dulce Raja? Dulce Raja, c'est ce soir Fanfan qui est là. Ah, il prépare son petit vélo tranquille, pépère. Regarde-moi, Fanfan a sourire. C'est Julie. C'est Pierre. Tu l'as mis où l'Opinel? C'est Arnaud. C'est Johanna. C'est moi. Et c'est Esteban. C'est aussi Jay, mais il n'est pas là pour l'instant, car il était avec son amour. C'est le dimanche matin du départ. Les vélos s'organisent. C'est moi. C'est Yo, mais... Hey, elle est embarquée celle-là? Ah ouais, elle a sa place à titrer là. C'est une bonne idée. Oh là là. On va pas oublier. Attention! Elle est nickel. Ça va? Je vous tente. Vous faites quoi les gars? Eh ben, j'ai en train de mettre un bout de chambre à air là pour mettre des cales. Attends. Parce que je voudrais des petites patounes. Des cales sur des pédales? Bah ouais, pour qu'elles soient plus hautes. Ouais. Puis ça donne un style en même temps, tu vois, c'est contemporain. Ouais. Toi Julie, c'est bon? Ah oui, c'est ça, il y a la piscine de bronze, non? Il y a la chaleur. Ah non, mais attends. On se rend pas compte? Non, mais c'est. Faut penser qu'il y a 140-150 km. Moi, j'ai 2 litres de plat déjà sur mon vélo. C'est le premier jour du départ de la compagnie. La première heure, les premiers kilomètres, les premiers passants. Et tout va bien pour l'instant. On commence à admirer le paysage et on commence à bien respirer avec nos différents matériels, différents spectacles. Donc spectacle ce soir, on ne sait pas où encore, mais avec un petit peu de musique, ça ferait du bien. Et puis voilà quoi. Première attente, Esteban semble être sur le carreau et des gens nous ont prévenu que plus loin ça risquerait de ne pas passer. Et voilà, nous sommes le premier jour, il est 10h44 du matin, on est à fond là, on est à fond, on vient de se taper déjà 30 km avec la compagnie du Saranja. Ce soir, on est pressé, on a un spectacle, un très grand spectacle, annoncé à Méribel. Donc on est bientôt arrivé là. Et donc, on prend l'air, vous voyez, on se sent bien, on fait 2-3 conneries. On commence à voir du public, au niveau des voitures. Attends, mais oh yo! Nous sommes repartis de Méribel Jonage et nous galérons. Avec ce truc en bambou là, qui fout la bambou là dans nos rayons. Et on est à Miribel. Et puis ça me fiche. Première journée. Ouh.
première journée. Plein de rebondissements, je dirais. Non, bah d'abord, c'est juste que je connais pas, moi, là. Non, non, première journée. Pff, la galère. Comment c'est dit, tu sais, la galère. Ça marche ? Enfin, première journée. C'était sympa, c'était marrant, mais quand même, il y a eu pas mal de galères. Hé, hey, Johan, viens filmer ça. Mon mouton était intellectuel. Première journée, Julie, qu'est-ce que t'en penses ? Magnifique. Les rougeurs, j'ai chaud, j'ai mal au dos. Hey, Johan, filme, deuxième suicide. Ah non, je vais me casser la gueule, du coup. Voilà, Arnaud monte sur son véhicule. Non, non, si... S'il est filmé, il va faire gaffe. Mais non. Non. Oh putain. Oh putain! Oh mamma mia! Bien joué, Nono! Jamais faire. Est-ce que je te l'ai pas dit depuis le début? Bah non, pas depuis le début quoi! Si, je te l'ai dit depuis le début! Ouais, non, mais tu m'as pas dit que je pourrais faire ni aucune descente! Ça va vite là! Putain, en fait, moi il faut pas que je prenne trop parce que sinon c'est déséquilibré, il se casse la gueule! Toi, on dirait un fauteuil roulant! Oh non, putain! Oh putain, ouais, attends! Le café, Pierre. C'était pas si mal là, José. Fais gaffe.